Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Colis. Alors, j'ai reçu un petit colis aujourd'hui pour lequel je me suis abonnée. Donc, je ne sais pas si je continuerai, je vais voir ce que ça donne. Je vous explique ce que c'est. Vous savez que souvent, des fois, il y a des... On nous fait des pubs à la télé pour acheter des fascicules, puis on a des petits cadeaux avec, tout ça, voilà. Là, c'est sur le tricot, mais c'est pas des fascicules que l'on met dans le classeur, voilà. Donc là, c'est MyBox, voilà. Donc, il se vend pas à la presse. Il ne se vend que sur Internet. Donc, il faut s'abonner sur Internet. Par contre, c'est bien Hachette qui le fait. Donc, c'est la même société qui fait les fascicules. Hein. Je crois que les fascicules, c'était Hachette aussi, quand je l'avais fait. Donc, là, j'avais eu une pub comme ça sur Internet. Et puis, j'y tiens, je vais regarder. Donc, MyBox, ben, My, hein, tricot. Donc, j'ai dit, je vais essayer. Le premier numéro, la première box était intéressante niveau prix. Donc, je vais regarder ce que ça donne. Et je verrai par la suite, je vais recevoir le numéro 2, numéro 3. Puis après, je verrai si vraiment c'est intéressant ou pas, si je continue ou pas. Je vous en reparlerai au fur et à mesure que je les recevrai. Donc, là, j'ai reçu la première box. Donc, comme ça. Bon, vous voyez à l'envers à chaque fois, donc c'est bien marqué MyBox, mes créations, tricot facile. Donc c'est, pour ainsi dire, le même titre que sur les fascicules classeurs, à part que là, il est marqué Box. Voilà. Donc, je n'ai pas regardé dedans ce qu'il y avait, donc ce sera la surprise. J'ai juste ouvert le scotch. Je n'ai pas du tout ouvert la boîte, donc je ne sais pas ce qu'il y a dedans. On va le découvrir ensemble. Bon, heureusement, la boîte n'était pas abîmée. Il y a juste un petit trou, là. Mais bon, voilà. On va l'ouvrir. Voilà. Hop. Donc là, bon, j'ai la facture, hein, certainement. Alors, c'est les box. On ne les paye pas à l'avance. On les paye une fois qu'on reçoit la box. On a la facture et puis on va la payer sur Internet. Ou je crois qu'on peut faire par prélèvement automatique aussi. Et je crois que quand on fait par prélèvement automatique, je pense que l'on a des petits cadeaux supplémentaires. Voilà. Donc, voilà. Alors, on a des pelotes de laine. Alors, je vous montre déjà... comment ça se goupille quand on le reçoit. Voilà. Des pelotes de laine, des aiguilles. Bon, c'est pas du tout les aiguilles que moi j'aime. Mais bon, tant pis. Hein. Sinon, je manque pas d'aiguilles. Alors, je vais d'abord vous montrer les aiguilles que l'on a. Il doit m'en manquer une quelque part. Ah ouais, elles sont là. Alors, on a combien de paires? Il y en a, toi. Hop, hop, hop. Il m'en manque encore, non? Non? C'est tout, tout est là? Oui. Là voilà, je croyais qu'il m'en manquait une déjà. J'allais dire non, hein. Oh, ça, c'est des très fines. En plus, c'est très, très fines, moi. Alors, les très fines, c'est lesquels numéros? C'est du 3. Ça me paraît vraiment très fin pour du 3, mais bon. Donc, on a les très fines comme ça, numéro 3. Mais bon, c'est du bambou. Hein. La taille au-dessus, c'est du 4. Voilà. Alors, elles mesurent... En plus, c'est ça. Hein. Moi, c'est trop petit pour moi. 30 cm. Voilà. Moi, je tricote avec des 40, 50. Parce que là, vous voyez... mais bon. Pas difficile, hein.
Ensuite, on a des 6, une paire de 6. Là, on a une paire de 8. Donc, toujours la même taille. Hein. Et la dernière, une paire de 10. Oups là, viens là, toi. Alors, moi, souvent moi, quand j'ai des aiguilles comme ça en bambou, je m'en sers pour faire des créations. Donc, je les coupe, puis je fais des créations avec. Ensuite, j'ai de la laine. Alors, après, on va voir certainement dans le livre à quoi elle va nous servir. Alors, j'ai une grosse pelote. Alors, ça doit être gris, ça. Voilà. C'est une pelote de 100 grammes qui fait 152 mètres, 100% acrylique. Est-ce que j'ai le nom de la couleur? Non. Alors, qui se lave à 40 degrés, lavage en machine ou à la main, essorage court, pas de séchage en tambour et pas de repassage. Voilà. Mais il n'y a pas le nom de la couleur. Fabrication en Chine. Bon, sans doute, hein, de toute façon. Ah, il fallait la voir, hein, la petite aiguille. Elle était dans la pelote. Donc, il y a une aiguille, voilà, qu'ils avaient mis dans la pelote. Donc, c'est une aiguille en plastique, hein, voilà. Donc, celle-ci, rose fuchsia. Donc, c'est la même, hein, 100 grammes, 152 mètres, 100% acrylique. Voilà. Donc. Ensuite, on a des petites pelotes. Alors, j'ai deux blanches. Et c'est des pelotes de 25 grammes qui font 40 mètres. Et pareil, 100% acrylique. Alors, par contre, il manque un... il n'y a pas la taille d'aiguille dessus, sur les pelotes. Non. Il n'y a pas la taille d'aiguille. Ça manque, ça. Mais bon, je pense qu'il y a les modèles dans le livre, donc on saura... Voilà. Donc, deux blanches. Une bleue turquoise. Une rose et une vert comme ça, un peu kaki. Voilà. Ensuite, ah, dans les aiguilles, j'ai une aiguille circulaire. Voilà. Alors, je pense que là, elles vont pas arracher au niveau d'ici parce qu'elles ont l'air bien lisses. Alors par contre, le numéro, est-ce qu'il est marqué? Non. Ah si, ici. C'est des numéros 5. Voilà. Donc c'est avec un tube transparent en plastique. J'ai une fermeture éclair. Donc, pour une décréation à faire, certainement, voilà, qui mesure 32 cm. Voilà, donc rose. Donc, on va découvrir ce qu'il faudra faire avec. Ensuite, bon, il y a un fascicule... Bienvenue dans la communauté MyBox, voilà, qui me dit tous les mois ce que je vais recevoir. Donc, apprenez, donc on reçoit un livre, il y a les tutos sur la chaîne YouTube, ils ont une chaîne YouTube. Il y a un kit tous les mois avec des pelotes et accessoires pour créer au choix une création déco ou mode. 4 pelotes pour tricoter, carré après carré. Oui, voilà, c'est ça. Tous les mois, il y a des carrés à tricoter pour faire un plaid. Donc, ça, c'est exactement la même chose qu'il y avait avec les classeurs.
Et ils disent qu'ils ont une communauté Facebook, donc on peut partager sur leur communauté Facebook nos créations. Voilà, pourquoi pas. Et là, ils nous disent, bah, si on n'est pas con, si ça ne nous plaît pas, on a 14 jours pour renvoyer le colis. Voilà. Donc ça, c'est le petit fascicule. Ensuite, on a un autre fascicule, là, donc avec plusieurs pages, c'est le guide de démarrage. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent de beau dans le guide de démarrage? Alors, ils nous parlent du matériel. Donc, le fil, le matériel. Donc, ce qu'ils ont mis dans le colis. Donc, les deux grosses pelotes, c'est pour faire le kit du mois. La cinquième pelote. Alors, la pelote, il y a une pelote blanche, c'est pour s'entraîner. Voilà. Et les quatre pelotes de couleur, les quatre petites, c'est pour tricoter les quatre premiers carrés du plaid. Voilà. Ensuite, il nous montre, bon, faites pas attention aux écritures, vous les avez à l'envers, mais il nous montre bien en photo. Donc là, faire un nœud coulant. Donc c'est bien expliqué en photo. Là, le montage. Donc comment faire notre premier montage. Comment tenir son fil et ses aiguilles. Comment arrêter son tricot. Donc c'est bien expliqué en images. Comment faire des mailles en droit. Donc pareil, hein, c'est bien expliqué en images. En texte et en images. Ils expliquent aussi les mailles en verre. Ils disent comment ils expliquent comment suivre une explication. Voilà. Et là, comment faire un échantillon. Ensuite, là, le guide pratique. Alors là, ce sont toutes les abréviations que l'on peut trouver dans le livre. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, AIG, ça veut dire aiguille. ALT, alternativement, voilà, exact, etc. Donc, il est bien expliqué pour l'instant. Donc voilà, ça c'est à garder, hein. Et pour finir, donc, le livre. Voilà. Donc ça, c'est ce qui remplace, les fiches. Alors, pour vous montrer le livre, je vais changer le téléphone et je vais vous le montrer face bureau, ce sera plus simple. Alors, j'espère que je ne vais pas trop bouger, je n'ai pas pensé à prendre mon pied. Il est en bas. Donc voilà, la couverture. Donc ça. Voilà la première page. Donc, il nous souhaite la bienvenue. On a le sommaire. La pochette bicolore. Voilà, donc c'est ça qu'on aura à faire avec. On aura à faire si on veut, bien sûr, on n'est pas obligé. Les deux grosses pelotes, la grise et la rose. Donc, c'est une pochette bicolore. Et donc, vous voyez, la fermeture est claire. Donc, elle est ici. Donc là, on a toutes nos explications et voilà la pochette terminée. Ici, on a des petites idées donc de tricot, des petits cache-pots, tout mignons. Voilà. Et on arrive au plaid, donc carré par carré, donc pour apprendre à tricoter les différents points. Donc voilà
le plaid terminé. Donc en tout, il va y avoir combien de carrés? J'essaye de trouver. Là, je vois 82, 89. Je crois que ça va être ça. Ça va être 89 carrés. Je vois pas de chiffre plus grand. Non, je ne pense pas. Donc, il va y avoir 89 carrés. Donc là, on va faire le 1 ici, le 2, le 3 et le 4. Donc, et voilà. Les quatre premiers que nous on aura à faire. Donc, un au point mousse, au jersey endroit, au point de damier et au point d'échelle. Voilà, joli ce point. Donc, je pense que ce qui sera le mieux après, bon, après vous verrez, si vous le faites, si vous le prenez, si vous voulez faire dans le même sens, peut-être numéroter, mettre un petit papier à chaque carré ou. Bon, moi, je verrai comment je ferai. Enfin, si je le fais jusqu'au bout, déjà, on verra. Mais bon, je vois que c'est. Je pense que c'est pas le même plaid que le classeur. Parce que moi, j'avais déjà commencé des carrés. Je ne sais même pas si je les ai encore, d'ailleurs. Voilà. Donc là, après, il vous explique les carrés. Donc, le carré de mousse, hein. Le carré en jersey endroit, le damier. Donc il y a des petites astuces, vous voyez, ils vous mettent des petites astuces. Ils vous mettent le matériel dont vous avez besoin. Si vous avez besoin d'aide, de retourner au guide de démarrage ou d'aller sur le site internet. Ah, le fil vert, c'était vert Annie. Voilà. Ils vous mettent aussi l'échantillon. Et les carrés terminés font 15-15. Voilà. Alors ici, il nous présente un autre travail, si on veut le faire. Donc, c'est un petit tapis. Voilà. Donc, pareil, on a toutes les explications, hein. Ici, un pull. Voilà, un joli pull en col V. Donc, ils nous disent le matériel que l'on aura besoin. Donc pour la laine, ça va, il nous donne pas mal d'explications. Il ne nous donne pas de marque, mais il nous donne il faudra de la laine avec mérinos, microfibre, cachemire. Voilà, on a d'autres photos. Ici, un couvre-théière à pois. Très rigolo. On voit mieux ici pour garder chaud votre thé. Ici, faire un collier avec des perles en nappe. Ah ben là. Un châle vaporeux, très joli, avec du lampsoule et de l'angora. Voyez, ça fait une. Ils disent un châle, mais bon, c'est un peu plus une étole, je trouve, qu'un châle.
Alors, ici, il nous donne le cours de Jersey en droit. Un cours sur le point de riz. Très facile, le point de riz. Un cours sur comment raccorder ses fils. Voilà, quand vous changez de pelote. Tricoter les rayures également. Quand je vois qu'ils font des nœuds. Yeah. Moi, je fais pas de nœuds, mais bon, pourquoi pas. Un cours pour rattraper une maille perdue. Ah, ça, c'est l'horreur, ça. Ça, c'est le truc. C'est le cauchemar quand ça arrive. Et ici, on retrouve le guide pratique, donc avec les abréviations. Voilà. Et là, on revoit l'image du plaid. Voilà. Donc avec les quatre carrés que l'on va faire ce mois-ci. Donc voilà, je vous ai présenté donc la box avec sa laine, ses aiguilles, enfin tous les petits cadeaux qu'il y a dedans, son livre, voilà. Donc bon, les modèles qu'il présente dedans sont pas mal, sont simples bien sûr, mais de toute façon c'est pour tricot facile, hein. Ils vont pas nous mettre des pulls ou des choses hyper compliquées dedans. Donc, c'est pour quelqu'un qui veut apprendre le tricot, c'est très bien, puisque vous allez vous exercer en faisant le plaid. Si vous voulez faire des petits accessoires, pareil, du coup, vous pouvez vous comment apprendre en faisant des petits accessoires. Pour, si vous êtes un petit peu plus confirmé, après, vous pouvez vous lancer à faire comme le pull, par exemple, ou le châle. Le châle est facile aussi. Aussi le pull pareil, hein, c'est pas un truc trop compliqué. Bon, pour l'instant ça va. Donc je vais voir quand je recevrai la deuxième box. Donc on en reçoit une par mois. Là, la première box, quand vous vous abonnez, est à 5 euros. Ensuite, c'est un petit peu plus cher. Je ne sais plus combien, c'est dans les 20 euros. C'est pour ça que je verrai après ce qu'il y a dedans, si c'est la même chose. Bon, là, c'est 5 euros parce que c'est bon, c'est cadeau. Mais bon, je verrai après par la suite si ça vaut le coup, si ça vaut pas le coup. Je vous en dirai plus. Mais bon, ayant eu moi les fiches. Je peux plus vous montrer les fiches tricot en classeur parce que moi je les avais fait il y a un bon bout de temps et puis là je les ai revendues. Ben, je les ai revendues cette année d'ailleurs. Je peux pas vous les remontrer pour vous montrer la différence. Mais bon, je pense qu'ils vont les ressortir un jour ou l'autre. Hein, ils les ressortent toujours assez régulièrement. Là d'ailleurs, j'ai vu qu'ils ont. J'ai pas vu personnellement au kiosque. C'est parce que j'ai une amie dans mon groupe de tricot et broderie qui nous a montré une photo et qui l'a acheté. Ils viennent de sortir les fascicules, du coup, point de croix, mais Disney. Donc, il n'y aura que du Disney dans cette collection. Donc, la broderie au point de croix, mais qu'avec les personnages Disney. Donc là, moi, ça, je ne vais pas l'acheter parce que ça ne m'intéresse pas, les personnages Disney. Mais à l'occasion, j'essaierai de vous montrer une photo ou quoi pour dans une prochaine vidéo quand je parlerai de broderie. Ça vient juste de sortir, hein. Ça vient tout juste de sortir en kiosque. Il paraît que la pub est passée très souvent à la télé ces derniers jours. Je l'ai pas vu.
Pourtant, moi, la télé fonctionne tout du matin au soir, mais j'ai pas vu la pub. Voilà, celle-là, je l'ai ratée. Donc voilà. Bon. Alors, bah, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous vous êtes déjà abonné, bah, dites-le moi aussi. Et puis, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, bon, bah, là, je vais commencer à tricoter le plaid. Je ferai un carré par semaine, hein, je pense, puisque de toute façon, il y a 4 carrés à faire par mois. Donc, je ferai un carré par semaine. Voilà. C'est une bonne. Un bon rythme. Voilà. Et puis on verra. Voilà, on verra ce que par les box que je recevrai par la suite. Et je continuerai à vous en parler. Du coup, je vous ferai une vidéo de temps en temps pour vous montrer les carrés que j'aurai fait et pour vous montrer les box que je vais recevoir. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. J'attends vos témoignages si vous avez eu si vous recevez la My Box. Et si vous la recevez, si vous l'avez pas, bah déjà avec ce que je vous ai présenté, ça y est, c'est la facture. si avec ce que je vous ai présenté, bah, est-ce que vous, ça vous tente ou ça vous tente pas? Dites-le moi. Et je regarde s'il y a des choses qui me disent là-dessus. Bon. Déjà payé, oui. Bon, ils me disent. Ah, prélevé, alors c'est. Oui, moi enfin, j'ai déjà payé, j'ai déjà mis mon PayPal. Mais donc, c'est prélevé 14 jours après l'expédition du colis. Voilà. Donc là, ils vont me prélever, 10, on va dire, 10-14 jours. Donc ça vous donne une idée pour savoir quand est-ce qu'à peu près ils prélèvent la somme une fois que vous avez reçu le colis. Ça fait 10-14 jours. Alors, ils vous disent, du coup, je profite pour vous dire ce qu'ils mettent dans la lettre. Ah ben, le prix, le voilà. Vous recevrez ensuite tous les mois. Alors, bon, je vous lis du début, c'est plus simple. Comme convenu, vous recevez aujourd'hui votre MyBox contenant votre offre de bienvenue. Nous vous souhaitons de merveilleux moments de tricot avec celle-ci. Merci. Vous recevrez ensuite tous les mois une nouvelle MyBox au prix de 24,99 €, frais de port inclus. Heureusement, parce que bon, vu le prix, on va pas pousser, hein, on va pas pousser mes mères dans les orties quand même. Hein. Nous sommes impatients de vous faire découvrir. J'ai soif. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais je meurs de soif. Nous sommes impatients de vous faire découvrir des créations tendances en tricot dans les prochaines box. Bien sûr, vous restez libre d'arrêter votre collection à tout moment par simple lettre sur Internet. Ou sur Internet ou par téléphone. Voilà. Si vous n'êtes pas entièrement satisfait de cette box, il vous suffit de nous la renvoyer sous 14 jours avec la facture. Ouais, donc, il ne faut pas jeter la facture. Hein. Ah, par contre, les frais de port sont à notre charge. Donc, si on n'est pas intéressé, on peut le renvoyer, mais on paye les frais de port. Vous n'avez aucune explication à nous donner. Nous vous remercions de votre confiance. Blablabla. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas content, vous pouvez renvoyer le colis, mais vous payez les frais de port. Voilà. Donc, voilà. Bon. Bon, là, ce serait bête de renvoyer la première box à ma charge. Donc, payer les frais de port. Bon, là, elle me plaît, hein, il n'y a pas de souci, donc je ne vais pas la renvoyer. Mais ce serait bête de devoir renvoyer une box que l'on a payée 5 euros parce qu'elle nous plaît pas et payer 6 euros, plus de 6 euros de frais de port pour la renvoyer. Hein. Donc la première, on se la garde. Voilà. Et puis arriver à la deuxième, si on voit que ça ne plaît pas, bon ben là, d'accord, on renvoie.
Et là, on peut payer 5 ou 6 euros de frais de port, parce que là, la deuxième boîte fait 24,90 euros, 99. Là, d'accord. Mais bon, on ne va pas renvoyer la première. Hein. On ne va pas payer plus cher de frais de port que ce qu'on a payé la boîte. Hein. On ne va pas pousser quand même. Hein. Non, mais moi, là, la première me plaît. Donc, je ne vais pas la renvoyer. On va attendre les autres. Ben oui, c'est logique. Je ne vais pas renvoyer une boîte qui coûte 5 euros et payer plus de 6 euros de frais de port. Faut être bête. Oui, faut être bête. Hein? Vous en pensez quoi, vous? Enfin bon, c'est bête qu'ils font payer les frais de port. Enfin bon. Quand on renvoie quelque chose chez Amazon, on ne paye pas. Quand on renvoie quelque chose à la Redoute, on ne paye pas. Quand on renvoie quelque chose à. Aux trois Suisses, on ne paye pas. Quand on rentre. Voilà. Mais bon, chez eux, il faut payer. Bon. C'est le petit couac. C'est la seule chose. Mais bon. Sauf que là, bon, on ne renvoie pas la première box. Voilà. Il ne faut pas la renvoyer puisque ça vous coûtera plus cher. Mais de toute façon, je vous ai présenté la première box, donc vous savez tout de suite si ça va vous plaire ou pas vous plaire. Donc vous savez si vous allez commander ou pas commander. Je ne pousse pas à la consommation. Je vous montre juste ce que moi j'ai reçu. Hein. Ça vous plaît, c'est bien. Ça vous plaît pas, ah, vous commandez pas. Je vais par contre vous mettre en barre d'infos, comme d'habitude, je vais vous mettre le lien où vous pouvez commander cette box si elle vous intéresse. Quoi vous dire de plus? Bah rien. Voilà. Là, je vais vous faire des gros bisous. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Si, au passage, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, ben, allez-y, parce que je vois qu'il y a encore, quand je vais dans les coulisses de ma chaîne YouTube, il y a beaucoup, 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 beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos, qui les regardent même en entier, parce que moi j'ai des temps de visionnage sur dans mes coulisses. Et donc j'ai encore plus de 50% de personnes qui viennent regarder mes vidéos, mais qui ne sont pas abonnées. C'est dommage. Il faut s'abonner. Comme ça, vous savez quand est-ce qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort sur ma chaîne. Voilà. Donc c'est facile, hein. Il y a un petit carré là, quelque part. Marquez s'abonner, vous cliquez dessus. Et en même temps, vous cliquez sur la cloche et vous cliquez sur toutes. Comme ça, vous avez toutes les notifications de toutes mes nouvelles vidéos sur ma chaîne. Au passage, le dernier concours est toujours d'actualité, celui pour gagner le Pulse. Donc allez-y si vous ne l'avez pas encore fait. Il est encore d'actualité jusqu'au 5 janvier minuit. Après minuit, minuit une, il sera trop tard. Le tirage au sort aura lieu le 6, le jour de la fête des rois. Et puis après, je vais repréparer des concours. Hein, ne vous inquiétez pas, comme d'habitude. 2022, c'est toujours avec des concours. Allez, je vous fais des gros bisous. On se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.